serpent. Sache que ces joueurs-là, c'est un adorateur de ça. Au diable, alors, regarde. Parce que le diable l'avait déjà dit. Où Zambé ou diable? Où c'est Dieu ou c'est le diable? Que Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur a présenté diable l'enseignement. Le Seigneur avait présenté l'enseignement au diable, Satan. Alors, il a dit. Matthieu 4. A présenté le bon soutien, a présenté l'enseignement. Tant que vous pouvez, le diable a contacté, a présenté l'enseignement. Lorsque le diable va te tenter, présente lui aussi l'enseignement. Je vous avais dit que je reprendrai le verset 5 même dans la semaine. Parce que j'ai commencé d'abord l'histoire de la bouche. Nous avions vu l'agneau de Dieu sur le trône. Viens, et puis vois mon peuple mis à trône, 3 mesures d'orge pour un denier, 1 mesure de blé pour un denier. Et nous avions vu dans les 4 sceaux 5 voix qui ont parlé. Donc, total ici, ombre, Aaron et ses 4 fils. Et nous avions montré leur ombre, c'est avec Aaron et ses 4 fils. Et tout le temps, on a nombre 6, verset 22. Et tiens, verset 27. Et nous l'avions lu dans nombre 6, de verset 22 à 27. Bazan a rôle à compénir les peuples. Ils ont le rôle ou la charge de prendre les noms du Seigneur Batia sur les peuples. Et dans la réalité, Jacques a dit dans acte 15, Dieu a jeté les regards vers les nations pour un peuple qui doit porter son nom. Pour prendre un peuple qui porte son nom. Et le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Et le nom de l'Éternel, c'est sa parole. Bisous nos amis, l'épouse parole. Et nous sommes l'épouse identifiant la parole. Nous portons le nom de l'Éternel. Nous portons le nom de l'Éternel. Mais banani va y ce nom de l'Éternel. Maintenant, qui nous a apporté ce nom? 4 êtres vivants. Pas Bikila miné na bomo. Parce que dans l'ombre de mon nom, on a l'image. Dans l'ombre, nous l'avons vu dans l'image. De ton l'agneau qui est sur le trône. Et nous avions vu l'agneau qui est sur le trône. Dans Apocalypse 5, verset 6. Dans Apocalypse 5, le verset 6. Yéhovah a peine Apocalypse 6, verset 6. C'est le même d'Apocalypse 6, 6. De Azolobela, l'Antichrist. Qui parle de l'Antichrist. Il mesure des blés pour un denier. Une mesure de blé pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Ne faites pas du mal à lui et au vin. Parce que ça, la mabete n'a pas foutu à peine à vignon. Ma fausse doctrine. Le fausse doctrine. Ma soin kayango, le cola, tango. Ils prennent ce temps-là du troisième sceau comme le temps du marque de la bête où on ne vendra ni on achètera sans avoir la marque. Si tu prêches ainsi partout, tu te retrouves. Laisse cet enseignement, frère. 3 mesures d'orge, la marque de la bête. 3 mesures d'orge, là, ce n'est pas la marque de la bête. Non. C'est vraiment parole. C'est vraiment la parole. Mais l'ennemi à côté kayango m'a bien. Mais l'ennemi va les vendre injustement. Yango total ici tant que le diable a qui tenté Jésus. C'est pourquoi nous avions montré lorsque le diable est venu tenter le Seigneur. A tenté. Il a tenté. Dans ta tentation. Et dans sa tentation. Alors que Jésus a se prosterné devant lui. Il cherchait que Jésus se prosterne. Mais Jésus a présenté à diable l'enseignement véritable. Mais Jésus lui a présenté le vrai enseignement. De la même manière, toi aussi, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre le diable, prends l'enseignement, il est écrit. Soit l'idée et comment, sambela kolanisama l'enseignement. Prie selon le modèle de l'enseignement. Et tu as dit que par la grâce de Dieu, tu vas continuer dans la semaine. Et nous savons que par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans la semaine. Tozana dans le troisième saut. Nous sommes d'abord dans le troisième saut. Dans notre lobélité cheval noir. Nous n'avons pas encore parlé du cheval noir. Mais ton lobélité, c'est une bouche qui parle. Nous n'avons
n'avons parlé que de la bouche qui parle. Nous parlerons sur la balance. De notre côté, nous avons aussi une balance. Vraie balance. La vraie balance de Dieu. Nous aussi, en prêchant comme ça, nous vendons le blé. Mais sans argent. Mais sans argent. Ah. Parce que Ésaïe 55, verset 1er, le dit. Parce que Ésaïe 55, le verset 1er, dit ceci. Que celui qui a faim vienne acheter. La source des eaux. À la source des eaux. On consomme sans argent. Et tu achèteras sans argent. Avec la foi. Donc nous sommes des vendeurs. Et alors Proverbe 11 le dit. C'est pourquoi Proverbe 11 dit ceci. Moutoiseau retenir blé. Donc celui qui retient le blé. A la maudit par le peuple. Et maudit par le peuple. Mais celui qui les vend. Parce que Moutoiseau côté. Et béni. A pas molami. Nous nous vendons le blé. Tosaba vendeur, mais sans argent. Nous sommes des vendeurs, mais qui ne demandent pas l'argent. Mais tosoteka par la foi. Mais nous vendons par la foi. Oyazana foi koso. Celui qui a la foi achètera le blé que nous vendons. Mais biso maintenant tosoteka na vraie balance. Mais nous vendons avec la vraie balance de Dieu. Donc tosolongola boite. Donc nous n'enlevons rien dans le poids de la parole. Ozolana mala. Amen. Osinete la loi, les psaumes et les prophètes, c'est ça, trois mesures. Vous prenez par exemple la loi, les psaumes et les prophètes, trois mesures. Ce qu'on tient en balance, la vie se remet seulement trois mesures. Et si tu les mets sur notre balance, va donner trois mesures. Juste nous n'enlevons aucune écriture. Vous suivez attentivement. Mais ceux qui trois mesures au Canada, la catholique. Mais si tu amènes ces trois mesures chez les catholiques, na balance na bango. Dans leur, sur leur balance. Parmi ba commandements, 10 commandements. Parmi les 10 commandements, et ça commandement mususu ba longola ba fongoli mususu te. Il y a un commandement qu'on a retranché et puis on a étendu les autres. Makambo ya ba idole. À ce qui concerne les statuettes. On a retranché. Et tu as trois mesures. Cela n'est plus trois mesures. Et on pèse à un denier. Cela ne va pas donner un denier à la vie éternelle. Ce qui doit y être dans une mesure de blé. Si nous apportons une mesure de blé. Dans l'église, il y a ma Sony. Dans l'église, il y a ma. Dans les églises de Sony, de Coutinho. Na place à Alain Moloto. Chez les Alain Moloto. Banani, Batoms, Bangonosoan, les Solataïos, les Marcelo, Billet, Païen, et tout cela. Toyana, une mesure. Nous apportons une mesure. Tomoni, Balongoli, 1 Corinthiens 11. On enlève 1 Corinthiens 11. Voilà. Et vous pouvez aussi une mesure. Cela ne va plus. Pour éliminer. Cela ne va plus donner une mesure. Et vous pouvez un dernier. Cela ne va pas donner un dernier. Balobi ne retranche rien. Kolomole lokote. N'ajoute rien. Koba ki sapete. Okuta moyembe ya mobali. Tala sukebe. Vous allez trouver un chanteur avec beaucoup de cheveux comme une femme. Longola ba Jesse Majesty yakar. Tala sukebe. Avec beaucoup de cheveux. Donc, à Longoli 1 Corinthiens 11. Il a enlevé 1 Corinthiens 11. Et on pèse à une mesure de blé. Cela ne va pas donner une mesure de bleu. Attali 1 Corinthiens 14. Il a 33. 1 Corinthiens 14. Il a 37. Jusqu'à 37. La femme ne peut pas prêcher. Moi, c'est la coquille au théâtre. À Longoli. Il a enlevé. Poids est diminué. Les poids diminués. Et on pèse à un dernier thé. Et on pèse à un dernier thé. C'est comme ça le diable vend. Et c'est comme ça que vend le diable. Ou bien Bakissi. Ou bien il ajoute dans le poids. Alors dit pasteur, avant qu'on soit pasteur, il faut un diplôme en théologie. Avant de devenir pasteur, il faut être diplômé en théologie. Si tu n'as pas un diplôme en théologie, tu es encore théâtre. Si tu n'es pas diplômé en théologie, tu ne prêcheras pas non plus. Alors l'écriture, on dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il a enlevé l'écriture. Maintenant, il est comme poussé par l'intelligence et par les diplômes de la théologie. C'est par les diplômes et les tribunaux de la théologie. Que les gens parleront de la part de Dieu. Alors, il a enlevé. C'est sa balance, il y a Antichrist. Il y a un bon ami qui a un bon ami. Maman, il y a un bon ami qui a un bon ami.
Les mamans qui vendent des grains là pour arranger leur balance, ils sachent que sa balance est unique. Elle prend 3 Thompson. Elle met sur la balance 1 kilo. 1 kilo directement. Mais ce qu'on dit en gros, on tient dans la vraie balance. Dans la vraie balance. 500 grammes. 500 grammes. Fausse balance, man. Cette fausse balance. Il y a mon diable en ça. C'est la balance qu'a le diable. Bah, on retranche, on retranche d'autres choses dans les Écritures. Vous suivez attentivement. C'est ça la balance du diable. Il y a mon diable qui l'a posé comme un gouna. Retrancher la parole. Ajouter la parole. Mais ma vraie vendeur, ma cotique à parole, vont laisser la parole telle qu'elle est. Même si j'ai commis une erreur, je dirais que j'ai commis une erreur. Et laisse la parole telle qu'elle est. Lorsque David était persécuté, par son fils, David a zokima. David fuyait. Azok est vers les Philistins. Ils allaient vers le Philistin. Sacrificateur arriva dans le David dans l'arche de l'Éternel. Sacrificateur voulait amener David avec l'arche. Alors il laissait l'arche Tikala dans la ville. Et David a dit Tika Sanduku Nengumba. C'est ça le bon serviteur. On connaît Moussali à solo. Azana mabe, il est dans le mal. Avoloba mabe oyo eza faiblesse nangai. Il dira que c'est mal ici, c'est ma faiblesse. Ma combe dis enseignement. Je ne veux pas détruire l'enseignement. Que Christ règne. Christ a conza. Naina kita la que je puisse diminuer. La parole est tombe. Et que la parole s'élève. Gana s'agenouille devant la parole. Et je m'agenouille devant la parole. Avolongola te. Dans la parole, c'est ça un bon serviteur, un bon vendeur. Ne mon ya solo, mon tic ya solo. Oh, n'a